Condenseur. On est où là? Attendez. On est après l'anniversaire, mais on est avant la CIA. Donc là, elle est déjà bien ado. Ok. Je dis. Debout. Ah non, il y a toujours la double alerte pour ça. Émoticône souriant. Merci Elochik pour le deuxième mois d'abonnement. Bonjour à toi, merci beaucoup. Merci pour le prime. La DPA a lancé un programme pour étudier l'autre côté, l'inframonde, comme ils disent. Ils ont créé un condenseur, une machine qui ouvre une faille vers l'autre dimension. Ils ont ouvert un passage? Vers le monde d'Aiden? Il y a eu un problème hier soir, des entités sont passées par la faille et n'ont pas pu éteindre le condenseur. Tout le monde dans le bâtiment a été tué et aucune équipe de secours n'en est revenue. Ils ont demandé ton aide, mais je leur ai dit que tu étais une enfant et que c'était trop dangereux. Malheureusement, ils savent que tu es la seule qui puisse vaincre les entités de l'autre côté de la faille. D'accord, donc c'est genre, ils appellent ça l'inframonde. C'est genre un autre monde d'où viennent les entités comme Aiden, ok. Allez-y. Je dis, si tu n'es pas d'accord, il suffit de le dire. Et je te ramène. Ça va aller. Je vais le faire. Allez, c'est parti. Putain, Nathan, c'est de la folie. Tu peux pas l'envoyer à l'intérieur. T'es devenu dingue. Essaie de comprendre. C'est la seule qui soit capable d'arrêter ce massacre. En tout cas, pour l'instant, dans l'unité, on n'a pas l'impression qu'ils leur veulent du mal. Hein. Désolé, je peux pas vous laisser passer. Laissez-la. Oh, désolé. Allons-y, c'est bon, je suis prêt. Le monsieur là, il avait vraiment l'air de se préoccuper de sa santé. C'est un cauchemar. J'arrête pas de penser que je vais me réveiller. Qu'est-ce qu'il fait tout le monde? Ça va s'arranger. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a des trucs qui ne disent pas. Avec de tels niveaux, personne ne peut voir. Je vois pas comment on pourrait contrer ça. Le condenseur est situé au dernier sous-sol. Tu dois trouver la salle de commande, c'est tout ce qu'ils ont pu me dire. Jody. Les entités autour de la faille ne sont pas comme Aiden. Elles viennent du plus profond de l'au-delà. On ne sait presque rien sur elles pour le moment. Je vis avec une entité sur laquelle je ne sais rien depuis que je suis née, alors ça devrait aller. Elle marque un point. C'est bon. T'en fais pas, je compte pas mourir aujourd'hui. On compte rarement mourir aujourd'hui, hein. Et pourtant. Ils ont foutu un bon bordel, hein, les créatures de l'au-delà. Donc là, ils ont pas appelé ça l'inframonde. Je sais pas pour toi, Aiden. Ils ont appelé ça l'au-delà. Mais moi, j'ai peur. Pour l'instant, il y a rien de problématique. Alors, laboratoire. Ok, donc c'est au moins 4. Ah oui! Alors on passe en mode survival là.
Merde. Ne pas regarder le chat. Ok. Ah bah oui. C'est, elle ne voit pas ce que Hayden voit par contre, hein, effectivement. Mais lui non plus voit pas ce qu'elle voit, ceci dit. C'est vraiment deux entités. Enfin, ils sont deux entités reliées, mais pas totalement, quoi. Dépendantes l'une de l'autre. Rediriger l'émulation vers la tête de Jodie jusqu'à ce qu'elle ait un flashback. Allez. Attendez. Ben j'essaye mais... Ah, d'accord. Comme ça. Non. Ben, je me sens très très bête là. Comme ça. Ah oui, elle peut carrément. Dépêche. Oh, il est mort d'un coup de valise. Le nul. Le gros nul. Merde, attends, là faut qu'elle remonte là-bas. Et on peut pas descendre là, attends, pour la curiosité. Si ? Il s'est pris une vieille Samsonic dans la gueule et il est mort, quoi. Putain. On va peut-être d'abord faire un tour avec Ah, elle peut peut-être tous les scanner en fait, les mecs morts. Et ouais. Oh, il y a de la mort à l'intérieur. Il n'y a pas une émanation là, je sais pas quoi. Non. Ils vont essayer de me faire peur, ces bâtards. Pas peur. J'ai pas peur. Essaie d'ouvrir depuis l'autre côté. Donc en fait, faut que je mette Jodie à côté d'un cadavre et comme ça, elle a un flashback.
Attendez, on va aller voir ça. Je sais. Je le sens, moi aussi. Elles sont là. Ouais. Reste près de moi, ok? Yes, yes, yes. Voilà. C'est ça. Okay. J'ai appelé l'équipe d'urgence. Ils arrivent. Il a pas souffert. Faut voir le bon côté des choses. Je pense qu'il a pas souffert. Ok. D'abord, elle fait un tour avec Aiden. Ah, il y a des trucs ici. Il y a des bestioles, quelque chose qui sont en train de griller quelque part. Ah, attends. Là, il y a lui, là. On va en apprendre plus sur, sur lui. Ah, mais quel enfer! Ah! Bah alors? Elle est en pleine poire là, l'émanation, putain! D'énergie, ce qui rend possible l'ouverture d'une brèche temporaire. C'est des trucs avec des tentacules, hein, visible. Hein. En tout cas, c'est vachement sympa. Donc, Aiden le feu. Oh, il est vraiment immatériel. Hein. Tout ce qui est les éléments, il s'en bat les couilles. Ah, il y a un truc ici. Génial. Allez, on y va. C'est chaud comme truc. C'est pas simple à bouger, hein. Ça a l'air. C'est pas si simple. Putain! Ah!
Elle est morte. Vous êtes blessé? Vous pouvez bouger? Je crois que je vais pas mentir. Ok, tout ira bien. Je sors partout. Massacré. Ils se sont fait carnager la gueule hardcore. Ah hein. Oh, putain. Ça c'est un branle fou, hein, je vous le dis. Ah. C'est bon ou pas là? Allez! Putain quoi! Ouais, c'est sur les deux joysticks et ils bougent trop chelou, c'est compliqué. Elle est dure celle-là. Hein. Allez. Blague à part, hein, elle est vraiment dure celle-là. Oui! Non, je l'avais! Je l'ai! Allez! Tu l'as en pleine gueule là! Yes! Là, fallait contenir le flux en fait entre les deux joysticks. Super chaud. Hein. Fallait faire pression en dessous et tenir au-dessus quoi. Oh. J'ai les sphincters et tu veux que j'en fasse quoi? Je te l'amène comment maintenant? Merde, il pèse sous les sphincters. Là. C'est quoi ça? Attends, l'extincteur, je l'ai vu là. Il est où? Il est là. Ok. Faut être à la source des flammes, je crois. Je suis pas un pro... Je suis pas un pro pompier, là. Mourir brûlé, ça c'est sympa ça. Ça c'est bonne ambiance, une petite mort en mode barbecue. Toujours cool. Mmh.
Ah moi je dis bientôt on va faire les barbecues IRL là. C'est la bonne saison, j'ai les sous, j'ai acheté la bonne viande. Du calme, je m'appelle Jodie, je travaille avec le professeur Dawkins. Les entités, elles ont envahi le laboratoire. Des créatures de l'au-delà. J'ai réussi à me cacher, mais elles sont encore là. Je sais qu'elles sont là. Essayez d'atteindre le mont de charge. Il fonctionne bien maintenant. Vous devriez pouvoir sortir. Vous restez ici. Mais ces choses vont vous tuer. Je ne suis pas seule. Toujours seule face à la mort. Aiden, c'est le moment d'aider là. En fait, on va tuer l'humain. Merde, j'ai pas compris. Oh merde. Putain, c'est, je suis le moment de jeudi, pas là. Ah, fiche. J'ai envie d'en fait d'esquiver, mais il faut que je suive le moment de jeudi, c'est dur. Hein. Voilà. Putain, là je savais pas trop si c'était en bas ou. Ok. Le joystick accompagne le mouvement de jeudi. Hein. Ah. Ah le barbecue. Ah le barbecue. Ne fais pas planter. Putain. Non mais là c'est pour le coup. Putain là c'était vers la gauche alors que moi je voulais faire vers le bas quoi, putain. Oh. On a tué l'humain, on a tué l'autre, on n'a pas tué la créature. Qu'on a fait là, c'était tuer l'autre. Ok, il y a un soldat là-bas. Peut-être la première personne qui le tue. Hein. Bah, la dernière. Clairement, pas la dernière. Oui, moi je peux. C'est pas vrai, faites-nous sortir de là! Bon sang, les entités peuvent traverser la matière, ça les arrêtera désolé, pas! Je ne peux pas vous laisser. Sympa. Sympa, sympa, sympa. Est-ce qu'ils en veulent aux humains ou est-ce qu'ils sont juste en mode anarchique, tu vois, ils le veulent comme une agression, j'en sais rien. Ah. Je vois de la flotte avec peut-être de l'électricité. Hein.
putain, je ne suis pas louvant. Bon, bah, vraiment, je suis nul, hein, je sais, mais ça me perturbe grandement. Hein. Salut Spockix. Le condenseur est proche. J'arrive à sentir l'écho de l'autre côté. Il suffit d'y aller tout doucement. On peut peut-être passer sans se faire repérer. Y aller tout doucement. On va déjà... Alors, il est où le condenseur ? Pas de flashback, rien. Un truc ici, non? Ah, il y a un truc là. Un nouveau bonus. Je sais pas ce que c'est, c'était des trucs à choper. Ça a des trucs optionnels, hein, des collectibles à la con. Il me faut un passe. Merde. Évidemment. Trop facile sinon. Je comprends pas. Il y a pas de passe au final, lui ? D'accord, enfin tout ce que je les mate en fait, ok. D'accord. Ça, c'est un passe, ça. Pas un passe, ça ? Prends-le, le passe. Ah, voilà. Ça y est. Il disait pourtant qu'il pouvait traverser toute forme de matière. Peut-être pas toute matière. Sinon pourquoi est-ce qu'il sort pas
de décalage, vous voyez, pour l'attaquer elle. Merde. Il y a quoi de l'autre côté de la porte? Ouais, Eden il peut pas traverser là, j'ai l'impression. Donc il y a peut-être certaines matières qui peuvent pas traverser. Apparemment, il peut traverser ça. Des souvenirs sur le mec. Wow. Allez, c'est parti. Ils sont pris pour Dieu, les scientifiques. Bad idea. D'avoir une raison pour laquelle ils s'en prennent pas à elle. On va traverser tout ça. Oh bordel. Tout tuer, ouais. C'est parti. Je vais foncer jusqu'à la console. Je cours et toi tu me protèges des entités, d'accord? On va. What the fuck? Ah, elles ont vraiment genre des dents quoi. Ok. Je sais pas trop à quel moment je dois contrôler Aiden, à quel moment je dois contrôler Jolie. Oh putain. Putain! Ah, le truc de mouvement, j'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le principe d'esquive. Ça doit être moi le problème, hein, clairement, mais je sais pas quoi faire. L'échelle ! Aiden, fais vite !
Oh bordel. Vas-y, vas-y, Astir. Évidemment. Mais je comprends pas l'appareil, toi. Il y avait un. Là, il y avait eu un truc de mouvement, j'arrive vraiment pas à comprendre, ça emmerde. Putain de merde. Je sais pas ce qu'il faut faire, je vois rien. Putain! Cours, 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 cours. Celui-là il est facile, c'est vers le haut. Ça, ça, c'est pas trop dur. Oh merde, oh merde. Aiden, est-ce que t'es là? Aiden! Ah, elle y tient quand même, hein. Le matin, c'est vraiment en mode symbiose. Bonjour Mathieu D, bienvenue à toi. Bonjour, bonjour. Et bienvenue à toi dans la lumière du chat. C'est beau. Jody. Oh. Je n'aurais jamais dû t'envoyer là-dedans, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Bon sang, j'ai tellement eu peur de t'avoir perdu.
Ne les laisse plus jamais faire ça. S'ils ouvrent un passage... On dirait. Il ne restera plus rien. Je sais pas, j'ai pas réponse. Hein. On dirait, en tout cas. Je vais me prendre un Dolipointe, j'ai un peu mal à la tête. Je galère avec les esquives, hein. Je trouve que c'est contre-intuitif, bordel. Et donc j'ai pas fait de HF au précédent truc, tiens. Corps à canaliser manqué 77%. Ah merde. Condensateur désactivé. 70... Ah non. J'en ai raté. Ah, on pouvait ne pas le désactiver, tiens. Scientifique possédé, tué. Oh, on aurait pu aussi peut-être ne pas le tuer. Délire. Je reviens, je vais prendre un petit Doliprane. Et à tout de suite. Hop.